passer. On va faire un gros test auditif. Donc je vais tester vos oreilles, bien évidemment, à travers certains exercices qui me permettront de voir si vous entendez aussi bien à gauche, à droite, à gauche, qui me permettront de voir si vous entendez bien de près, de loin, si vos oreilles captent bien les sons, qui me permettront aussi de voir s'il n'y a pas des petits problèmes à l'intérieur de vos oreilles, d'accord? On va vraiment tout tester aujourd'hui lors d'un test plus ou moins long, d'accord? Alors, comme ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vais reprendre vos informations. Est-ce que je peux avoir votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Je vous écoute. D'accord, votre date de naissance. Enfin, je vous pose une petite question, on pourra directement passer au test. Est-ce que, enfin, deux, trois petites questions, est-ce que vous avez des allergies? D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes au niveau de vos oreilles ou est-ce que des personnes de votre famille ont eu des problèmes d'audition? D'accord, alors laissez-moi cocher juste deux, trois petites choses et ensuite on pourra commencer les tests. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le mot d'ordre, on a deux mots d'ordre ici dans la clinique. Respect et politesse. Respect et politesse. Donc vous l'aurez capté. Donc je coche deux, trois trucs par rapport à la situation et ensuite on va commencer. Vous avez, je sais que vous et moi, ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu. Est-ce que entre-temps vous avez fait un test auditif avec quelqu'un d'autre? D'accord, ok. Alors laissez-moi, je me rapproche un tout petit peu. Je vais regarder vos oreilles avec ma petite lumière, d'accord? On va commencer par votre oreille droite. Ok, c'est parti. Alors, je me rapproche surtout. Ne faites rien, je regarde juste vos oreilles. Alors. Donc je regarde vos oreilles avec ma lumière. S'il y a quelconque problème, un quelconque souci. Donc je regarde votre oreille droite d'abord, votre oreille gauche, ok. D'accord, je regarde l'autre oreille maintenant. Je vais toucher légèrement vos oreilles. Vous allez me dire si ça vous fait mal, ok. C'est parti. De ce côté d'abord. Ça vous fait pas mal, d'accord, de l'autre côté. Excusez-moi. Ok, sur ça, pas de soucis. Je vais vous demander de fermer les yeux. D'accord. Je vais toucher un coup votre oreille gauche, un coup votre oreille droite. Là, c'est un mini test du toucher. Vous allez me dire laquelle je touche, d'accord? Ok, fermez les yeux. D'accord, fermez les yeux. Ok, c'est parti. Ok, parfait. On va commencer les tests pour tester si votre audition est bonne, d'accord? On va commencer par un test très classique, un test du chuchotement, d'accord? Je vais prendre un petit livre, je sais pas où il est. Je vais prendre un petit livre, un magnifique livre qui raconte l'histoire de Magic Johnson et de Larry Bird pour les basketteurs, vous allez kiffer. Mais bon, peu importe le livre, je vais juste prendre un passage au hasard du livre et je vais le lire. Et je vais le lire tout doucement. Et vous, votre objectif, c'est d'essayer de reconnaître le plus de mots et en gros de me dire le maximum de mots que vous aurez réussi à entendre après, d'accord? Je vais le faire au milieu, ensuite je vais lire à gauche.
gauche, ensuite je vais lire à droite, mais je vais vraiment lire tout doucement pour voir si vos oreilles captent bien. Donc je vais prendre un moment du livre au hasard, j'espère que je vais pas tomber sur un moment bizarre. Ok, c'est parti, c'est au hasard. Ok, je vais chuchoter tout doucement, d'accord, et vous allez essayer de me répéter ce que vous avez entendu. Los Angeles a de nouveau atteint les finales en 1989 contre les Pistons avec un bilan parfait en playoff, 11 victoires pour 0 défaite. Mais Riley a fait une erreur tactique. Il a emmené son équipe à Santa Barbara pour un mini camp d'entraînement vers les finales où il a soumis ses gars à deux entraînements quotidiens. Byron Scott s'est fait un claquage à la cuisse avant le match 1 et Magic s'est boité dans le match 2 pour les mêmes raisons. Les Pistons ont balayé les Lakers et gâché la dernière année de Kareem Abdul-Jabbar. Quels sont les mots que vous avez retenus? Dites-moi tout. Ok, maintenant je vais vous lire à gauche et à droite le derrière du livre, enfin le résumé du livre, et vous allez... Excusez-moi. Et vous allez essayer de retenir le maximum de mots. À nouveau, c'est parti. Ok, c'est parti, je vais chuchoter d'un côté et puis de l'autre la même chose. C'est parti. Dans les années 1980, les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics s'affrontent sans relâche pour la suprématie de la Ligue. À leur tête, Magic Johnson et Larry Bird, deux hommes que tout opposait pourtant. Sur la décennie, ils remportent à eux 8 titres de champion, 6 titres de MVP. Ils sauvent la NBA de la faillite. Je vais chuchoter la même chose de l'autre côté, essayer de retenir le maximum de mots. Dans les années 1980, les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics s'affrontent sans relâche pour la suprématie de la Ligue. À leur tête, Magic Johnson et Larry Bird, deux hommes que tout opposait pourtant. Sur la décennie, ils remportent à eux deux 8 titres de champion, 6 titres de MVP et sauvent la NBA de la faillite. Alors, je vous écoute. Dites-moi tous les mots que vous avez retenus et si vous avez réussi à retenir les phrases, etc. Dites-moi tout ce que vous avez retenu dans ce que je viens de chuchoter. Et je vais le marquer au fur et à mesure. Objets et vous allez tout simplement un coup me dire si vous entendez le bruit à gauche ou à droite et un coup me dire si vous entendez le bruit, tout simplement. D'accord. On va commencer par un jeu de gauche-droite. Donc j'ai un petit objet. Je vais faire les petits bruits comme ça, d'accord. Et vous allez me dire si vous l'entendez à gauche ou à droite. Vous allez me dire gauche ou droite. Fermez les yeux. C'est parti, vous me dites gauche ou droite. Chose, mais avec un son différent. Donc vous me dites toujours droite ou gauche. D'accord? C'est parti. Ok. D'accord. Et dernière chose qu'on va faire avant de passer à un prochain test. Vous allez tout simplement me dire quand est-ce que vous entendez le bruit, d'accord? Bon, je sais pas claquer des doigts, du coup ça fait un bruit un peu moins fort, tant mieux. Du coup vous allez me dire quand est-ce que vous m'entendez faire ce petit bruit, d'accord? Vous me dites ok, d'accord, c'est parti.
un peu vos oreilles, d'accord? Donc c'est un petit spray, je vais mettre 10 coups de spray dans chaque oreille, d'accord? C'est parti. Et ensuite on continuera les tests. C'est parti, alors on va commencer par cette oreille. Je vais toucher un coup votre oreille droite, un coup votre oreille gauche, et vous allez me dire quand est-ce que je. Ben, vous allez me dire quelle oreille je vous touche, d'accord? C'est parti. Fermez les yeux, bien sûr. Je vais prendre un autre pinceau. D'accord, vous allez toujours me dire si je vous touche à droite ou à gauche. C'est parti. Ah, je vais vous toucher même avec mon pinceau et mes mains en même temps. D'accord? Vous me dites droite ou gauche. Maintenant, vous allez, je vais vous toucher très 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 légèrement et vous me dites droite ou gauche, on s'en fiche, vous me dites quand est-ce que je vous touche l'oreille, d'accord, c'est parti. De secondes avec chacun de ces objets et votre but c'est essayer de deviner le maximum d'objets, pourquoi pas faire un 5 sur 5, d'accord? Alors je vais vous demander de fermer les yeux et donc je vais faire un peu de bruit et vous essayez de deviner l'objet précis. Évidemment, si je fais du tapping, vous me dites pas je fais du tapping. Fais du tapping sur quoi? Ok, c'est parti. Premier objet, premier objet, premier objet. Donc on commence facile, fermez les yeux.
deuxième objet. Encore facile. Deuxième objet, deuxième objet, deuxième objet. Troisième objet, et là c'est un peu plus compliqué. Troisième objet. Tendez bien l'oreille. C'est plus dur. Ok, c'était un petit stylo. Ok. Quatrième objet, je vais faire du tapping, mais vous devez me dire sur quel objet je fais du tapping. Sur une carte, et si vous m'avez même dit le 9 de cœur, vous êtes légendaire. Ok, dernier objet, cinquième et dernier objet. J'espère que vous avez 4 sur 4 pour l'instant. Donc, cinquième objet, c'est le plus compliqué. Maintenant, je vais vous chuter des petits mots et vous répéter après moi. D'accord, c'est parti. Marathon, 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 marathon. Ok. Célébration, 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 célébration. Ok. Peluche, 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 peluche. Ok, parfait. Bon. Tout m'a l'air en ordre. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse email? Je ne l'ai pas prise tout à l'heure. Parce que j'ai remarqué qu'il y a quelques petits problèmes, mais assez légers. Ok, donc je vous souhaite un bon retour. Ça m'a fait plaisir de vous revoir pour un test auditif après tant de temps. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis au revoir et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et j'espère que vous êtes prêts parce que apparemment la semaine love arrive. À la semaine prochaine pour